chat. Voilà. Je l'ai pris à bras tout de suite avant qu'il pleure. Parce que je savais qu'il allait pleurer en entendant que je faisais une vidéo. Hein? Dis bonjour. Bonjour les copines. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo coloriage. Donc, je vais vous montrer un peu comment je colorie et en même temps vous expliquer un peu comment, un peu quelques petites techniques, puisqu'on m'avait demandé comment je faisais des dégradés, comment je me servais des crayons, voilà. Donc, on va faire une petite vidéo sur ce thème, voilà. Et bon, j'espère que ça vous plaira. Et de toute façon, si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Hein? Alors, je profite de la vidéo pour remercier et souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles qui se sont abonnées à ma chaîne. Oh, tu es fatiguée. qui se sont abonnées à ma chaîne. Là, maintenant, on approche les 3090. C'est super, je suis trop contente. Toi aussi, t'es content? Hein, Pacha? T'es content? Coucou. Oh, va falloir que maman elle coupe la frange. On commence à plus voir les yeux. Bon, allez. Je vais changer le point de vue du téléphone pour que vous voyez ce que je vais faire. Et je vais poser Pacha parce que pour colorier avec lui, ça va pas le faire. Je pense pas. Non. Ah non. Bisous. Bisous, maman. Non. Le soir, il fait la tête maintenant. Parce que son papa va coucher. Et puis maintenant, il fait la tête. Il veut pas que son papa il va coucher. Ah oui. Bon, allez. Je change la caméra et on va faire ça. Je vais vous montrer pour le coloriage, je vais y arriver. Alors voilà, donc là aujourd'hui j'ai choisi celui-là de livre pour alors je vais essayer de bien vous le montrer, voilà, pour vous faire un modèle, pour vous montrer comment je fais du coloriage. Je n'ai pas encore j'ai encore rien colorié dedans dans celui-ci. Donc, je vais vous montrer un peu les dessins qu'il y a déjà. Alors, on va essayer de voir si vous voyez bien. Alors, celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il y a un pointillé sur chaque feuille. Donc, on peut enlever la page si on souhaite. Voilà. Voilà les dessins. Il y en a pas mal, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup. J'espère que vous les voyez bien. Il y a beaucoup avec des oiseaux, des poissons, des insectes. Là, ça me change un peu de celui que je suis en train de faire sur le Magic Cotton. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de dessins. Là, il y a vraiment beaucoup de choix. Bon. Des arbres, des bouquets de fleurs, un petit dauphin. Serpent.
Là, c'est celui qu'on va faire ensemble, que j'ai choisi. Voilà, donc celui-là, il va me falloir du temps pour le terminer. Donc là, je l'avais acheté chez Leclerc, au centre culturel. Et donc, je l'avais payé 4,70 €, vous voyez. Donc, en plus, il n'était pas cher. Donc, c'est le Simplement Relax, donc coloriage et détente, donc de NGV. Voilà. Alors. Regarde si je lève là. Excusez-moi, je vous fais un peu bouger, mais c'est parce que je veux faire pour que vous voyez bien. Voilà. Alors, j'ai sorti mes crayons de... Alors, mes Castel Art. Je vous... Donc, cela. Donc, mes Castel Art se supplient. Donc, vous les aviez déjà vus, hein, je vous les avais déjà montrés. Oui, il y en a quelques-uns qui commencent déjà à s'user. Alors, celui-là, il s'est beaucoup usé. Il a dû avoir un défaut dedans. La mine n'arrête pas de se casser. Là, je ne sais rien faire, et elle se casse. Et voilà. Donc, je vais prendre cela. Et comme j'ai toujours pas essayé, je vais essayer en même temps peut-être les ceux d'action. Donc, c'est cela. Avec le tiroir. Je vais peut-être essayer cela. Donc, la pochette, c'était ça. Et je ne sais plus si c'est cette semaine ou c'était la semaine dernière, mais ils étaient en promotion. Moi, je les avais achetés hors promotion. Mais bon. Alors, sinon, après, j'utilise un blender. Voilà. Donc, ça, c'est un crayon qui vous sert à estomper les couleurs. Donc, je vais vous montrer comment on s'en sert. Voilà. Donc, vous voyez, je peux... Il n'écrit pas, hein. C'est vraiment juste pour estomper les crayons de couleur, pour estomper les couleurs. Voilà, je vais arriver à le dire. Cette semaine, j'ai acheté aussi... alors ça, c'est très vieux. On avait ça déjà quand on allait à l'école, si vous vous rappelez. Surtout celle de ma génération. C'est des estompeurs comme ça, mais en papier. Donc là, je les ai achetés à chez Pickwick. Donc, il y a plusieurs tailles là-dedans. Vous voyez? Voilà. C'est comme un papier buvard. Et pareil, ça sert à estomper un peu les couleurs. Donc là, il y a plusieurs tailles dedans. Et ça, j'ai payé 4,90 €, je crois. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai différentes tailles. Donc ça pareil, je ne les ai pas encore utilisés puisqu'on était chercher, je les ai fait chercher cette semaine. Je vais en laisser un sur le côté. Je dois changer de taille crayon, je ne l'ai pas encore commandé, je vais bientôt le commander. Parce que pour l'instant, j'ai toujours celui-là. Et en fin de compte, c'est celui qu'Amazon proposait en même temps que les Castel Art, les crayons Castel Art. Mais c'est pas, c'est vraiment pas top top. Non, je le conseille pas. Malgré qu'Amazon le conseille. Moi, je ne le conseille pas du tout. Parce que, justement, il casse pas mal de mine. Bon, il est réglable. Voilà. Vous pouvez le régler par rapport à la grosseur du crayon. Mais sinon, non, c'est pas top. Donc, voilà.
Après, là, je vais, pareil, avec le tacrion, je vais bientôt commander de l'huile sans odeur, de l'huile, n'importe quoi, de l'essence sans odeur. Donc, ça, quand je l'aurai, je vous ferai un tuto également. Il y a Fifi qui passe dans les parages. Je vous ferai un tuto pour vous montrer comment on s'en sert. C'est pareil, ça sert à estomper les couleurs sur votre dessin. Voilà, un petit peu à la fois, je vous montrerai quelques petites techniques si vous le souhaitez. Donc là, on va faire celui-ci. Alors d'abord, je vais choisir un peu mes couleurs. Faire un oiseau bleu. Alors. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours travailler. Alors, je vais essayer de vous mettre. Alors, si j'arrive à avancer, voilà. Et si j'avance trop. Là, voilà, normalement, ça devrait être bon là. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours, alors bien, pas tenir votre crayon comme ça, hein. Le tenir presque à plat. Et voilà. Et colorier en faisant des petits ronds, comme ceci. Ça évite qu'il y ait des traces de traits, vous savez. Donc après, suivant la couleur que vous voulez, enfin l'intensité de la couleur, vous voyez, par exemple ici, je vais faire un peu plus fort. Et après, donc pour faire un dégradé, déjà comme ça, on peut. Oh, je déborde. Donc, si vous faites de moins en moins fort, vous avez déjà un premier dégradé. Des fois, il ne suffit pas d'appuyer trop fort, ça ne sert à rien. Voilà, donc je vais continuer jusqu'au bout. Vous voyez là, je vais moins fort pour que le bleu soit moins intense. Alors, je sais pas, j'ai une mauvaise vue ce soir, ça fait que je déborde. Bon. Alors, je voudrais peut-être avoir une autre couleur qui finisse le trait. Alors, avec le bleu, j'aime bien le style un peu orange. Alors, mes oranges sont là-haut. Par contre, je vais le retailler un peu celui-là. Alors, en plus, c'est ça, avec un taille-crayon comme celui-ci, on use énormément de crayons. Donc, le taille-crayon que je vais avoir, vous verrez, on n'use pas beaucoup. Donc, vous voyez, on peut repasser une autre couleur dessus. Voilà, ça fait déjà un dégradé.
Voilà, vous pouvez passer deux couleurs l'une sur l'autre. Ça vous fait un dégradé de couleur. Ça vous fait une autre couleur. Voilà. Et là, on va faire pareil en bas. Et c'est toujours en tournant, pas en faisant des traits. Hein, vous voyez, on tourne toujours sans crayon. On fait des petits cercles. Bon, quand c'est vraiment trop petit, là, bien sûr, vous ne faites pas de cercle, mais... Donc là, je ne vais pas aller plus loin parce que je vais remettre une autre couleur. Vous voyez, le bleu avec l'autre couleur devient un peu vert. Donc, je vais garder ma couleur et je vais en prendre une autre pour finir la fin. Alors, je vais prendre un jaune. Donc pareil, je commence ma couleur déjà sur celle qui est déjà faite pour pas qu'on ait une démarcation. Bon, là, je fais pas par petits ronds parce que le trait est trop fin. Et vous pouvez passer sur les couleurs. Là, comme c'est des crayons à la cire, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on va continuer ce trait-là. Ah non, elle pleure pas, papa chat. Aïe, il pleure. Voilà, n'hésitez pas
à fondre les deux couleurs pour pas qu'il y ait de démarcation. Voilà. Voilà ce que ça donne déjà. Donc, on va lui faire un bec d'un orange un peu plus soutenu, mais c'est pareil, on va pas le faire complètement de la même couleur. Bon, je sais pas quelle couleur peut avoir son bec, hein, cet oiseau, mais bon, là, on va dire que c'est un oiseau imaginaire, de toute façon. Donc, normalement, il a un bec... Voilà, on va dire orange... Voilà, il y aura un bec comme ça. Alors, par contre, on va lui faire des yeux bleus. Un oiseau aux yeux bleus. Avec une pupille noire, hein. Voilà. Ah, je vois que j'ai oublié les petits points de couleur ici. Alors, on va lui faire la tête de quelle couleur? On va lui faire une tête verte. Je vous dis que mon oiseau va être multicolore. Donc pareil, toujours en faisant des petits cercles pour colorier. Pour éviter la trace des traits. Hein. Bon, pour l'instant, je mets une couleur, mais on va venir remettre une autre couleur dessus. Hein. Pour faire un peu les ombrages. Je vais vous montrer comment je fais un peu les ombrages
Donc en utilisant une autre couleur. Alors, je prends un vert un petit peu plus foncé. Par contre, là, je vais lui faire une pointe. Voilà. Et là, on va y aller tout doucement pour faire des ombrages. Donc c'est un peu aussi comme un dégradé, hein. C'est le même système. Donc là, dans le coin, plus vous voulez foncer, ben plus vous appuyez. Voilà. Et après, vous voyez où vous voulez marquer, hein. Donc c'est pour marquer un peu des endroits, donner un peu de volume. Voilà. Ça donne un peu de relief. Voilà, déjà. Alors, plus foncé. On va lui finir sa tête, hein, ce petit oiseau. Donc là, j'ai envie de finir avec du jaune. Et voilà, vous allez chercher le vert, hein, que vous avez mis.
faut que votre jaune démarre sur le vert. Donc voilà, la tête est faite. Donc je vais vous montrer maintenant avec le blender ce qu'on va faire. Donc pareil, vous allez passer sur les peintures, sur les crayons. Et toujours en faisant des petits ronds. Hein. Donc là, on voit déjà un tout petit léger changement sur la couleur. Alors, je vais essayer de vous l'agrandir encore un peu plus. En gros plan. Non, c'est là, c'est... Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Bon, je vais essayer de faire au mieux pour que vous voyez bien. Ah, excusez-moi. Parce que moi, je vois pas bien. Il est où? J'ai perdu ma tête d'oiseau. Désolée, les filles, je vous fais bouger. Voilà. Là, normalement... Non. Ah ben, voilà. Désolée, hein, les filles. Voilà, comme ça, je pense que vous voyez mieux. Le petit changement dans les couleurs. Vous voyez ici au niveau du raccord des couleurs, pareil. Donc en même temps, ça fixe hein, les couleurs. Et vous voyez, vous pouvez passer du bleu au jaune. Il n'y a pas de transfert de couleurs. Donc ça, c'est le blender. Je vous mettrai en barre d'infos tout ce que vous avez vu ici. Hein, les crayons, le blender. Je vais regarder si je trouve le lien pour le cahier à dessin. Également pour les estompeurs. Comme ça, si ça vous intéresse, ben vous aurez tout de suite les liens pour les retrouver.
Déjà, les couleurs sont un petit peu plus vives quand on passe. Désolée, j'ai une petite coupure. Je vous disais, les couleurs sont déjà un petit peu plus vives. Alors, on va essayer ça, je vais vous montrer. Donc là, c'est pas la même chose. Hein. Là, c'est comme un papier buvard. Donc là, ça va estomper, mais à sec, on va dire. Par contre, ça, vous voyez, la couleur reste dessus. Vous êtes où? La couleur va rester. Donc ça, c'est plus pour les... avec des crayons secs. Hein. Là, bon, on voit moins la différence. Je reprends mon blender pour finir ma tête. Voilà. Donc je sais pas ce que vous pensez des couleurs, mais donc voilà, déjà vous avez vu pour les dégradés. Donc là il y a un dégradé, donc on n'hésite pas avec le blender de passer dessus pour éviter. Donc les petites peluches qui se forment, vous inquiétez pas, c'est pas votre papier, c'est le crayon, hein. Mais c'est rien. Alors l'idéal, c'est pas, je les passe sous la main, mais c'est d'avoir un pinceau assez doux, comme ça, pour enlever toutes les peluches. Voilà. Donc on va avoir fini la tête. Voilà. Donc voilà ce que ça fait. Donc là avec les Castel Art, le blender. Donc on va refaire un petit bout ici. Alors, je vais essayer de me remettre bien. Je vais me mettre comme ça. Pas facile, hein. Je vous fais bouger les filles, je suis désolée. Voilà. Et là, je vais essayer avec les crayons d'action. On va voir ce que ça donne. Alors, on va essayer déjà de retrouver à peu près les couleurs. Donc voilà, hein, action. Alors, on va voir ce que ça donne. Bon, ils avaient déjà sorti cela, mais en boîte plus petite. Mais je crois qu'ils les ont améliorés. Parce que j'ai senti beaucoup plus sec que...
Les anciennes boîtes. Voilà. Oui, ça va. Ils ont amélioré, je pense. Ah, j'ai oublié une plume. Après, on va essayer le dégradé après. En 38-37, il n'y a pas grande différence. Hein. Donc, on va mettre... Il va être coloré, mon oiseau. Voilà. Alors, on va garder le jaune et on va prendre un orange. Oh, yep. Peut-être celui-là. Non, ça c'est plutôt marron. Il n'y a pas de vrai orange par contre dans la boîte d'action. Je ne sais pas ce que c'est comme couleur. Bon, je vais prendre cette couleur-là. On verra ce que ça donnera. De toute façon, là c'est pour vous montrer hein, surtout. Ouais, c'est plutôt rouge. Mince. Bon, c'est rien. Donc là, je vais moins fort comme pour les autres. Et on va essayer de finir avec un jaune. Bon, niveau dégradé, on voit que la couleur se fond moins, mais il faut y aller un peu plus fort. Bon, sinon, ils ont une belle pigmentation quand même. Hein. Bon, au taillage, je ne sais pas ce que ça donne encore, puisque je n'ai pas encore essayé. On verra.
couleur. Donc là, il faut quand même appuyer plus fort pour que la couleur soit plus foncée. Mais là, bien sûr, c'est pas les crayons à la cire, hein, donc c'est tout à fait normal. Voilà. Allez, on va lui faire finir sa petite, le petit haut de l'aile. Regardez, je vais prendre le petit marron rouge. Donc bon, vous voyez, même avec ceux d'action, de toute façon, vous pouvez faire des dégradés, mais ils seront moins nets. Donc après, on va essayer avec le blender, voir si on sait utiliser le blender dessus. Non, il y a quand même, ça a quand même de belles couleurs aussi. Pour les petits budgets, ça fait son job. Hein. Non, ça va, ça fait son job, quand même. Pas de souci. Alors. Moi, par contre, j'aime bien avoir des crayons pointus. C'est pour ça que j'ai commandé l'autre taille crayon, parce que là, sinon, je vais user mes crayons à une vitesse folle. Quand je le recevrai, je vous montrerai, je vous ferai une petite démo. Alors, il ne faut pas... On va dire montrer comment on s'en sert. Non, vous voyez, ça fait les crayons action font bien leur job aussi. Hein.
Ça va. Ils en ont eu des pires. Hein. Je les ai encore. Je sais même pas ce que je vais en faire. Tellement que c'est vraiment inutilisable. Tellement ils sont secs. Je sais pas si vous voyez, c'est ceux qui sont vendus dans le rayon pour les enfants. Ah, mais alors c'est une horreur. Donc là, vous voyez, je vais plus léger. Excusez-moi. Je crois que j'avais Fifi qui était en train de me griffer mes chaises. Donc je disais là, maintenant on va plus léger pour estomper et faire un dégradé. Voilà. Donc, on va essayer avec le blender. Bon, avec le blender, c'est moins, c'est pas pareil. Parce que de toute façon, le blender est surtout fait pour les crayons cire et les crayons d'huile. Hein. Non. J'utiliserai pas le blender sur les crayons d'action. C'est pas la peine. Voilà, sinon dans ce cas, je prends plutôt le buvard. Enfin, voilà, celui-là. Si je veux estomper un peu. En plus, ça me fait briller les couleurs. Les couleurs brillent là. Vous voyez ? Voilà, donc voilà ce que ça donne. Mais oui, de toute façon, les crayons d'action, je sais pas si c'est marqué. Non, c'est pas marqué. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges ta corde? C'est pas cher, qui mange ses jouets. Donc voilà. Le résultat, donc je vous ai déjà montré un petit peu pour faire un dégradé. Bon, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas bien vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, quitte à ce que je refasse une vidéo un peu plus explicite, un peu mieux cadrée. Il n'y aura pas de problème. Cette semaine, je terminerai l'oiseau, comme ça je vous montrerai le résultat. Je vous mettrai la photo dans la communauté, hein, sur ma chaîne. Comme ça, vous le verrez. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus, comme d'hab.
Je pense que je vais ranger le crayon en même temps. Voilà. Mais donc, si vous avez des questions sur les crayons, sur le blender, sur n'importe quoi, n'hésitez pas. Là, ce que je vais faire, je vais vous remettre le téléphone debout pour qu'on se voit mieux. Donc, me revoici. Donc, voilà. Donc, je vous remontre comme ça, déjà, ce qu'on vient de faire ensemble. Donc, je ne sais pas si vous voyez là... ça brille un peu. Donc voilà déjà le résultat que ça donne. Donc, oh, pardon. Donc, je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que je refasse une vidéo, même sur rien que sur le dégradé, ou rien que sur le blender, ou sur quoi que ce soit, vous me le dites, je le ferai sans problème. Là, quand j'aurai mon tas de crayons, je vous ferai une vidéo, je vous montrerai. Puis sinon, ben pour l'instant... Et puis aussi, quand j'aurai l'essence sans odeur. Voilà. Oh, excusez-moi les filles. Quelle heure? 10h30. 22h30. Le marchand de sable commence à passer. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces bleus au passage. Je le dis jamais, mais bon, vous en mettez, hein, je sais. Et on se retrouve rapidement donc pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.